Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un unboxing Woodbox que je viens de recevoir donc du mois de septembre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 20 euros par mois et il y a 5 articles dedans qui valent même plus que 20 euros. Donc ça vaut largement le coup. Abonnez-vous, hein. C'est pas mal. Franchement, ce mois-ci, il y a du Harry Potter. La figurine. Ficu 20 euros. Donc, ouais, c'est celle-là. Trop belle. Magnifique. Sur un socle, ouais. Un socle bleu, comme s'il volait, en fait. Eh, c'est pas mal. First Flight. Ça fait un peu manga, hein, mais j'aime bien. Pour les gros fans de Harry Potter, en plus j'en suis une. Donc c'est une bonne collection. Ensuite, l'œuf de Daenerys, un des trois œufs des dragons de Daenerys. Avant qu'ils naissent. Donc le rouge, je crois, c'est Drogon. Le vert, c'est Régal. Et le troisième, il est noir ou blanc. C'est Viserion, un truc comme ça. Donc voilà. Pour les fans de Game of Thrones, une bougie. La rouge de Drogon. Ouais. Ça, tu peux pas l'allumer hein, si tu collectionnes. Ce serait dommage. Non, il n'y a pas d'odeur. Donc voilà. Comment ça se présente. Il y a d'autres bougies, mais bon. Moi, je m'en fous des bougies en fait. Ensuite, du Zelda. Un bloc-notes du jeu Breath of the Wild sur Switch. Le Z en haut de chaque page. Ouais, c'est pas mal. Le bloc-notes fait toute une main. Sheikah Slate. Donc voilà. Pour ceux qui y jouent, peuvent faire des annotations, des petits mémos du jeu. Ensuite. Pins FMA. Ah ouais. Il donne trop de pins, je trouve. Hein. C'est le seul hic de la Woodbox. C'est dommage. J'aimerais bien qu'il les remplace par des porte-clés, par exemple. J'aimerais bien. Donc, le pins vaut 4 euros. Inspiré d'un célèbre manga, ouais, donc FMA, ce grand tas de ferraille s'est retrouvé coincé dans cette armure à la suite d'une transmutation ratée en compagnie de son frère. D'un naturel calme et tranquille, il est capable de vite s'énerver. Ok. Voilà, la bougie, elle vaut 8 euros. Donc la figure, 20 euros. Tous les figues, hein, c'est 20 euros. Tellement elles sont bien détaillées, bien dessinées. Voilà. Le bloc-notes, il vaut 8 euros. Donc voilà, on a dépassé les 20 euros. Hein. Donc voilà. Décrivez les paysages. Ouais. Tout ce que tu veux, tu notes. D'accord. Et le dernier, le t-shirt. The Witch Wild Hunt. Sûrement le troisième opus. Je sais pas, j'y joue pas. Hein. C'est sur PS4. Voilà, vous vous retrouverez dans le corps d'un fameux sorceleur où deviendrez et deviendrez un membre à part entière d'une guilde de chasseurs de monstres. À 20 euros. Le prix de la boîte, enfin de l'abonnement mensuel. Qui se présente comme ça. D'ailleurs, Henri Cavill va jouer le rôle. C'est
sais pas quand il va sortir le film, peut-être en 2020, je sais pas. On va savoir. Voilà.